Allez, bonjour à tous. Donc samedi matin, donc la veille du confinement, et je suis à Montluçon, je suis dans la zone du Pasqui. Nous sommes chez Liberty Car. On va découvrir des voitures d'exception. Patrice, donc Liberty Car, donc aujourd'hui c'est la fête, la veille du confinement. On en profite pour en présenter de magnifiques voitures. Aujourd'hui, c'est une opération de communication. Aujourd'hui, c'est plus une opération de communication et également faire rencontrer des passionnés de l'automobile, de milieux différents, puisqu'on a des voitures sportives, on a des voitures de course, on a des voitures anciennes, on a des voitures de collection. On a des américaines aussi là-bas, donc on a un petit peu plus des électriques, hein, comme vous avez pu voir avec la Tesla. Donc on a un panel assez large, et le but du jeu, c'est par ces temps un peu compliqués de pouvoir faire rencontrer des passionnés de l'auto, comme nous on l'est, et puis de faire connaître Liberty Car, bien entendu, quoi, aussi, par biais de cette opération. Je vais essayer les nouveaux modèles d'électrique, donc la Tesla. On va regarder comment c'est dedans. Venez, bien. Regardez comment je suis bien là-dedans. Comment ça se passe, là? Elle est déjà démarrée, là? Dès le moment où vous montez dedans, elle est prête à partir. Le moteur ne tourne pas, elle est déjà prête à partir dès le moment où vous montez dedans. Alors appuyez d'abord sur la pédale de frein. Ah, le fauteuil qui se met à ma position. Le fauteuil et le volant. Et là, vous appuyez simplement sur la pédale de frein. L'accélérateur, par contre, elle appuie pas fort parce que ça... Ah oui, mince, attendez, excusez-moi. Appuyez sur le stop. Depuis d'une qualité... On n'entend pas plus de bruit que ça. Prochaine voiture que je vais acheter, c'est une Tesla. On va attendre la retraite à la fin du mois, et puis j'irai à Vichy pour commander une belle Tesla. Voilà, parce que c'est vraiment le top de chez top, et bien sûr, c'est américain. Voilà. C'était un peu compliqué de savoir du coup si on avait le droit de le faire, pas le droit de le faire. Au final, on a eu le droit, donc tant mieux. Mais oui, enfin après, c'est de l'organisation, mais ça se fait. Votre travail à vous ici, c'est on va dire le marketing digital? Ouais, la communication, tout ce qui est promotion des véhicules, promotion de l'entreprise, du garage, tout ça, animation des réseaux sociaux. On fait aussi des vidéos de présentation véhicules, du coup, ce qui se fait pas trop sur Montluçon. Et puis voilà, dynamiser un peu tous les réseaux. Et se faire connaître surtout sur des cibles plus jeunes du coup. Instagram et tout ça. Exactement. Est-ce que cette opération va être renouvelée ou c'est la seule de l'année? Alors non, l'objectif c'est de le renouveler au moins l'année prochaine, enfin faire tous les ans quelque chose. Après, on ne sait pas, parce qu'on avait prévu demain ce qu'on appelait le Liberty Tour, c'est-à-dire qu'on avait également une balade avec des voitures sportives et différents types de voitures. Donc ça, c'est reporté, puisque à partir de ce soir, il faut se confiner à la maison. Voilà, donc c'est pour ça, l'opération est à moitié réalisée. Donc je pense qu'on refera quelque chose quand, je ne sais pas, puisque aujourd'hui c'est difficile de planifier quoi que ce soit. Mais oui, l'objectif c'est de tous les ans en tout cas d'essayer de faire quelque chose, au printemps peut-être, l'année prochaine en tout cas. Allez donc, Liberty Car, donc à Montluçon, à Muspaski, donc n'hésitez pas à venir voir M. Soubry, donc c'est ouvert pendant le confinement. Vous avez envie de changer de véhicule, ou découvrir d'autres véhicules, acheter une occasion, on en a parlé tout à l'heure, très récente, ou même acheter du neuf. Donc n'hésitez pas, c'est en face de nos amis chez Nissan et à côté de notre partenaire Ford. Allez, à très bientôt.